Mais sans les lions, c'est toujours la même chose. Lâche les lions. Les gens qui travaillent, on n'a pas le droit. Ça s'appelle une entrave. Pardon ? Ça s'appelle une entrave. Je crois quand même de m'arrêter qu'il y a de la circulation, non ? C'est bouché. Allez-y, démarrez pas. Vous mettez dans le flux. Allez-y. Allez. On va pas le droit alors à manifester alors. Les amateurs ! Les amateurs ! C'est pas le problème, on va venir avec tous les tournois. On va faire comme on a fait l'autre fois. Allez, merci. Je le respecte, il me respecte. D'abord, vous vous rendez compte de ce que vous dites, il n'y a aucune vous loi. Vous vous rendez compte que... Vous avez entendu ce que j'avais dit. Vous vous rendez compte que vous pouvez vous questionner un dictateur. Vous vous rendez compte questionner un dictateur. Vous savez très bien. Mais vous savez que l'histoire l'a déjà démontré. Je vais boire le goût, monsieur. Ouais, c'est ça. Bien sûr, surtout que je ne bois pas d'alcool, moi. Alors allez boire un goût. Vous voulez ou quoi? Il s'en va parce que c'est très bien que j'ai raison. Va voir celle qui est habillée en noir. Va voir celle qui est habillée en noir. Allez, gilet jaune. Non, mais ils sont passés, ils sont pas bons. Le rond-point Denis, samedi matin. Ouais. Alors il y est déjà. Ah, il travaillait. Alors il a marché. Ah. L'opération. Le cirque Zavata est en train de couler. On est en train de tuer les gens de cirque. On est en train de tuer tout le monde. Vive la France. Aujourd'hui, il ne faut pas être français. Il faut vivre au RSA aujourd'hui. Les gens qui travaillent, on les empêche. Je vous remercie, monsieur. Fermé.
on se plaint que les gendarmes, les policiers se prennent des cailloux dans la tête. Mais quand on vient mettre un coup de batraque, qu'on vient de gazer un mec qui a rien fait, qui a rien demandé, qui se prend un flash ball dans la tête, au bout d'un moment, il faut pas s'étonner que le peuple se répond et il devient violent. C'est tout. Ça répond du violent, c'est devenu violent, c'est tout. Au bout d'un moment, c'est normal. C'est l'être humain. Hein. C'est limite de la défense maintenant. Ouais, mais quand vous commencez à tirer, c'est ce qui s'est passé. Quand vous commencez à tirer, que vous gazez, qui arrive, ça va passer. Ouais, donc maintenant quand on doit demander quelque chose. Moi personnellement les lois on m'a pas consulté pour les mettre. Actuellement j'ai été au chômage parce que le patron m'a proposé 500 euros de moins sans salaire. Je trouve ça magnifique. Quand je demande ma mutuelle parce que j'ai des problèmes au dos, on me dit non, vous n'avez pas le droit de trouver la mutuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois aller à la rue? Non, mais au bout d'un moment, non. C'est normal que les gens viennent râler dehors. Et à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'aller déclarer quoi que ce soit. Donc maintenant, on doit aller voir. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un peu d'argent. Je suis dans la merde, je vais me retrouver dans la rue. Est-ce qu'il y a moyen de négocier? Non, il n'y a pas. C'est au bout d'un moment, il est censé écouter. Donc si derrière, après, il envoie pour taper, pour dire aux gens de fermer votre gueule, il ne faut pas s'étonner que derrière, les gens y répondent avec de la violence. Et là, vous verrez, ça va tout qui bouille. Ça va pas rigoler. Ah, merde.